Bonjour tout, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Je vais vous montrer comment utiliser Google Drive. Google Drive, c'est un outil de Google très très intéressant que vous pouvez utiliser pour faciliter votre travail. Première des choses, on va se rendre à drive.google.com et puis on va s'identifier. Une fois on a fait ça, il suffit de cliquer sur ce petit triangle là. Ça, c'est Google Drive. Avec Google Drive, vous pouvez faire beaucoup de choses, vous pouvez créer des documents, vous créer des feuilles de calcul, vous pouvez des présentations, des formes, etc. etc. Donc on clique sur nouveau et dans nouveau vous pouvez importer un dossier, vous pouvez importer un fichier, vous pouvez même créer un nouveau classeur. Ici par exemple je clique sur Google Sheet, vous avez Google Sheet, une feuille vierge bien à partir d'un modèle. Si je fais vierge, j'ai une feuille qui a été créée immédiatement. Nous avons ici cette page là, une façon plus rapide de créer une feuille, une nouvelle feuille. Il suffit de cliquer ici et saisir sheet.new en majuscule ou minuscule, peu importe. Quand vous validez, vous allez avoir ici une feuille qui a été créée immédiatement. Donc nous avons ici cette feuille-là. C'est pour ça que vous avez ici la note de marchandise. Nous voulons créer cette table-là. Donc on va sélectionner ces cellules. On va cliquer ici sur bordure. On va choisir la bordure. Et pour le titre, on peut changer ça, le remplissage. On peut prendre par exemple comme ça et changer la couleur du texte d'écriture. Changer encore ici un peu plus foncé. Vous pouvez changer la taille. Mais comme vous voyez ici, vous avez les lignes, ou bien les colonnes, qui sont un peu restreintes. Donc vous faites un double clic ici. La même chose ici pour la quantité. Unitaire et le prix total. Là, je vais faire total. Pour avoir plus d'espace, vous avez ce bouton-là pour masquer les menus. Si j'ai les quantités ici, j'ai des nombres et puis prix unitaire, ici le prix total. Donc le prix, on va faire égal. Enlever majuscule, puis on va faire ici égal la quantité étoile prix unitaire. Voilà, vous avez 0. Mais si vous remplissez la quantité, on peut générer ça avec des fonctions aléatoires, des valeurs aléatoires. Mais ici, alia. Attention, il y a un alia, c'est un nombre entre 0 et 1. C'est un nombre décimal, mais ici il y a un lien entre bornes. On nous donne deux valeurs, low and high. Si je prends par exemple entre 1 et 100, et je ferme la parenthèse. Voilà, j'ai ce nombre-là. Pour copier en bas, je clique et je glisse sur ce point lié-là, de recopier. Ça, c'est une méthode. Pour annuler ce bouton-là, notre méthode, on va sélectionner celui-là, copier, on va faire ici CTRL-V. Et voilà, vous avez des nombres ici. Pré-unitaire, c'est juste, je donne juste des nombres de façon aléatoire. Vous avez immédiatement le prix qui se calcule. Si je copie comme ça, j'ai les valeurs ici. Mais pour le prix unitaire, on peut changer le format de ce nombre-là. Vous avez ici format monétaire. Et vous avez ici les quantités. Mais attention, les valeurs ne sont pas fixes. Pourquoi? Parce qu'on a un lien entre bornes. Donc pour copier ces valeurs-là, on va les sélectionner. CTRL-C. On va cliquer sur couleur spéciale. Couleur spéciale, on va prendre juste les valeurs. Il y a plusieurs choix ici. Je prends juste les valeurs. Voici les valeurs. Je masque les menus. Donc j'ai ici ce tableau-là. Maintenant pour la moyenne. Pour enlever la colonne A, je fais clic droit. Puis supprimer la colonne. Maintenant pour la moyenne des prix. La moyenne des prix, on va faire égal MOY. Je fais tabulation. Je prends les prix. Je sélectionne D2 jusqu'à D6. Je valide. Voilà la moyenne des prix. Pour avoir la moyenne des prix unitaires, je fais la même chose. On va faire ici égal moyenne du
Ether. Sélectionne la zone C2 jusqu'à C6. Et je valide. Pour avoir la moyenne de quantité, c'est la même chose. Mais pour avoir la valeur maximale, on va faire S égale max. Et je sélectionne C cellule, ça veut dire B2 jusqu'à B6. Voilà la valeur maximale. Mais bien sûr, vous voyez ici, on saisit les zones, donc ce n'est pas toujours facile. On va utiliser ici des formules. Donc, on va voir pour le total, on va faire la somme. Pour voir la somme, vous avez un bouton ici, sigma. Si vous cliquez, vous avez immédiatement ici la somme. Vous pouvez sélectionner les cellules en haut et vous validez. Vous cachez ça, vous cachez le menu. Il suffit de copier ici. Et vous avez ici la somme du prix, la somme du prix unitaire, la somme des quantités. Maintenant, supposons que vous voulez calculer ce prix-là, la colonne D, vous pouvez la remplacer sans utiliser ici ces formules-là. Et ça, on va faire la zone B2, B6, étoile, C2, C6. Je fais CTRL majuscule entrée. Et voilà, vous avez ici le prix. Vous avez ici cette formule-là matricielle. Si je mets ici 70, si je mets ici 100 pour M4, ou bien 1000, vous allez avoir immédiatement le résultat. Maintenant, pour calculer ce total-là, autrement, on peut faire bien sûr la somme ici, mais on va faire ici une autre méthode simple. On fait ici égale somme prod, donc on prend la zone de quantité, étoile, la zone du prix unitaire. Je ferme la parenthèse et je valide. Et voilà, vous avez le même résultat. Il suffit de copier ici le format ou bien avoir format monétaire. On peut changer le zoom ici et avoir ici des choses plus claires. Donc on peut faire beaucoup de choses avec Google Sheet. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez cliquer sur fichier et vous pouvez ici télécharger une version d'Excel ou bien ODS ou bien PDF, etc. etc. Et pour changer le nom, il suffit de cliquer ici, on va faire ici formation Google Sheet et vous validez. Pour avoir des choses très intéressantes, vous pouvez prendre quantité et le prix unitaire, vous pouvez sélectionner ça et vous avez ici ce bouton là, explorer. Et c'est immédiat, par exemple si je change ici le TT de M4, je mets ici 100. Le calcul se fait immédiatement et en ligne. Qui sert ce tableau là. Merci pour votre attention. Merci de vous suivre. Merci d'activer la notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.